Une première convention jeux et manga a eu lieu, début avril, à la salle des fêtes à Saint-Saulve. C'était l'occasion pour les passionnés, les amateurs et les curieux de venir s'immerger dans l'univers des jeux vidéo, du manga, du cosplay et des jeux de société. Le programme proposé est vaste, avec des blind tests, des démonstrations de combats au sabre laser, des concours de jeux vidéo, ainsi que du rétrogaming, une initiation au japonais et des jeux étaient à la disposition du public. Six illustrateurs étaient présents pour plonger les visiteurs au cœur de leur univers à travers des expositions, des démonstrations ou des ateliers. Il s'agit de Dewash Edition, Zelgarm, Yann Campen, Bantoubab, Wicro et Pollen. L'un des moments phares était certainement le concours de cosplay. Petits et grands ont pu assister à un concours de cosplay, ou l'art de se déguiser en héros de BD ou de série, rassemblant des personnages tirés de mangas comme One Piece ou My Hero Academia, de films comme Star Wars ou encore de dessins animés. Diverses autres animations ont eu lieu, initiation au japonais avec Candice Vandeville, démonstration de combat de sabre laser, jeu de rôle, de stratégie et de société. Ce salon a fait beaucoup sensation auprès du public, qu'il soit petit ou grand, qui a rassemblé plus de 1500 personnes, qui est une réussite pour notre ville de Saint-Saulve. Je vous dis merci pour avoir regardé cette vidéo et ravi de vous avoir partagé un peu de mes loisirs à moi et mes enfants. À bientôt.